Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Gods Against Machines, un jeu qui est comme je les aime, qui a un concept qui est un petit peu original dans une marée de jeux qui parfois, on le dit, se ressemble un petit peu avec beaucoup de monde qui copie beaucoup de jeux qui sont un peu à la mode. Et ce Gods Against Machines pour moi me fait un peu comme l'effet de Zer Billions par exemple, c'est-à-dire on prend un style de jeu qu'on connaît bien, le RTS, et on va modifier un petit truc, c'est-à-dire qu'au lieu par exemple de Zer Billions avoir du combat contre d'autres unités qui sont identiques à nous comme dans les Command & Conquer ou ce genre de choses, même si évidemment il y a des factions qui vont changer un petit peu la donne, ici dans Zer Billions on était confronté à des zombies et on était en fait dans une sorte de PVE, donc on affrontait l'environnement. Et ici Gods Against Machines prend ce concept en le twistant encore une fois, et cette fois dans le PVE on va pas être le player, on va être l'environnement entre guillemets. On va devoir affronter en fait des robots qui vont venir s'installer sur notre planète et on va devoir les poutrer. Nous, on va pouvoir incarner librement des dieux de différentes catégories, donc on va être le feu, l'air, la terre ou encore le vent, et on va avoir en permanence l'aide de Gaïa, qui est tout simplement l'esprit de la planète. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence une nouvelle partie, et puis après, on va sauter vers la fin du jeu, avec une partie qui est beaucoup plus avancée dans le endgame pour voir un petit peu la taille des bases ennemies et ce qu'on va pouvoir en faire. Donc on va commencer une nouvelle partie. Donc là on nous explique un petit peu que voilà, Gaïa doit faire face à une invasion et on va pouvoir choisir un type de dieu. Alors bah on va prendre le feu, c'est le seul que j'ai jamais fait. J'ai joué un petit peu avec l'eau et le vent pour faire et ma grosse partie c'était avec la terre. Donc on va prendre le feu. On va nous proposer des magies. Alors on aura une magie de base et puis on en aura plusieurs ensuite qui vont pouvoir être... utiliser. Donc on a le noyau fondu, planter une graine de lave chez vos ennemis qui répandra le feu partout où ils iront, sacrifier des miracles pour augmenter les dégâts de vos sorts de feu, ou alors invoquer un troll de lave qui peut attaquer ses ennemis au corps à corps. Alors ça coûte un peu cher le troll, mais on va peut-être faire ça par curiosité. Donc on va pouvoir nous-mêmes attaquer en fait en tant que... c'est un peu une sorte de god game finalement, dans lequel on n'a pas les gens qui vont vivre leur vie tranquillement, nous on va être la planète, on va vouloir absolument les détruire dès qu'ils font le moindre truc. Ça va être vraiment du clic-clic-clic, un peu au début, un clicker basique, mais il va y avoir des petites choses intéressantes quand même qu'on va pouvoir faire avec les sorts. Donc je mets en pause, ça c'est l'ennemi, actuellement il a que cette petite base, on voit que sur le reste de la Terre il n'y a pas grand chose, et nous on va devoir tenter de l'enquiquiner avec nos sorts qui sont en bas, donc ça fait un peu hack and slash on va dire à travers les systèmes de cooldown ou MMORPG, on a simplement notre sort et on va essayer voilà, de casser. Alors au début on a des sorts qui sont vraiment pas très puissants. Ça, je vais essayer de le détruire, c'est un vaisseau ennemi qui me donne un peu de mana si jamais il y a un vaisseau qui s'échappe et que je le détruis. Donc faut bien cliquer dessus. Et donc on va simplement faire ça, on va essayer de tout taper et de casser progressivement. Alors quel est l'objectif à force de casser, parce que l'ennemi on voit qu'il reconstruit un petit peu tout, c'est qu'en haut il y a une barre de ressources et on va devoir détruire suffisamment d'éléments pour lui coûter des ressources pour qu'il tente de reconstruire et au bout d'un moment quand il aura dépensé ses 150 de ressources, eh bien on aura gagné, tout simplement, sachant que l'objectif de l'adversaire, lui, c'est de corrompre la zone, c'est ce qui est un petit peu violet qu'on peut voir à certains endroits, et donc il va falloir que je le fasse rapidement avant que cette barre augmente trop. Donc c'est une question vraiment de vitesse, il va falloir aller le plus vite possible et essayer de tout détruire. Alors le premier niveau, et c'est un peu le problème du jeu, est pas forcément très intéressant parce qu'on met un peu de temps, et l'idéal c'est de détruire ce genre de bâtiment qu'on peut voir ici, puisque c'est lui en fait qui fait augmenter la corruption. Majoritairement, donc pour l'instant, on se contente de cliquer, on peut détruire les petits vaisseaux qui reconstruisent. Là, on a un véhicule qui a été créé par l'ennemi à partir de ce bâtiment, donc on peut essayer de viser ça pour limiter, parce qu'évidemment, l'adversaire, lui, va pouvoir essayer d'aller nous détruire le cristal, cristal qui est ici. Sachant que le cristal qui est ici, en fait, c'est Gaïa qui nous aide. C'est également ce qui nous donne du mana. Et il y a des petits arbres qui sont créés par l'ordinateur pour nous aider, par Gaïa, pour envoyer des unités. Donc par exemple, s'il y a des araignées, dans ma grosse partie, il y aura des serpents notamment qu'on pourra faire, et je pourrais faire le fameux golem. Donc là, j'ai 450 de mana, et je peux par exemple créer, hop, ici, le démon qui va venir m'aider. À force de jouer et à force de gagner, on va avoir des cristaux qu'on va pouvoir utiliser, qui vont nous apporter un certain nombre de bonus en les dépensant, c'est une sorte de monnaie, puisqu'on va avoir plein de caractéristiques pour les unités, et pour les sorts qu'on va pouvoir utiliser pour augmenter leur durée de vie, leur puissance, leur taux d'apparition, et ce genre de choses. Et donc bah, on va devoir assez rapidement s'améliorer pour réussir à faire quelque chose. Donc là, l'ennemi a eu un renfort. Là on peut voir que dès qu'il y a des petits trucs rouges, il y a régulièrement un bonus, et il y a Gaïa qui nous aide
exceptionnellement ici en montrant un sort avec des météores qui tombent. Donc le premier niveau c'est scénarisé en fait, le fait qu'il y ait énormément de troupes et qu'on a un pouvoir bonus. Ce pouvoir on va pas le garder, c'est un pouvoir que nous donne Gaïa juste le temps de ce combat. Donc on va simplement essayer de finir de détruire tout ça. On va détruire les unités également qui ont un bouclier pour essayer de protéger nos cristaux. Allez, hop. Alors là, il crée beaucoup d'unités. On va essayer de péter les... On va refaire un démon aussi. Et là, on va détruire la source. Alors, le premier niveau, comme je le dis, c'est un peu le souci du jeu, c'est que c'est très très lent à démarrer. Et là, j'ai gagné, voilà. On voit que la source a été vidée et de temps en temps, il y a des boss. Donc ça, on pourra le voir depuis le menu de sélection des niveaux. Et on va devoir éliminer cet ennemi, précisément. On peut voir que niveau mana, je suis pas mal. Alors, je sais pas si mon golem de feu, il peut combattre dans l'eau. Est-ce que ça le gêne? Ah non, il part. Il a mieux à faire. On va essayer de l'achever rapidement. Allez, c'est bon. Donc là, le... boss ennemi est mort, on a gagné. Les récompenses, elles dépendent de la quantité de corruption qu'on a. On voit qu'il y a des paliers, des petits crans. Et là, j'ai aucun palier qui a été passé parmi les trois, donc j'ai droit à trois récompenses. Et là, on me propose des nouvelles magies. Donc on a soit des magies de notre style, de notre élément, donc du feu. Et puis on peut également avoir ici, par exemple, du vent. Ou les magies des autres dieux, globalement. Donc là par exemple je vais prendre le volcan, ça peut être pas mal. On a le droit maintenant à des améliorations, donc soit toutes les magies coûtent 4% à invoquer en moins, soit j'ai plus de mana de base et ça monte plus vite, soit j'ai des éclats de puissance. Les éclats de puissance c'est la fameuse monnaie qu'on va pouvoir utiliser, et ça on va pouvoir le voir tout de suite. Et là on me propose une petite amélioration encore, augmenter le critique, ou alors il y a chance d'avoir un butin, on va prendre des butins. Et j'ai encore un peu de mana. D'éclat. Donc là on va arriver sur la carte et en fait on va nous proposer simplement d'avancer niveau après niveau si on le souhaite, mais on peut également si on souhaite sauter et aller plus loin, mais évidemment on va avoir un petit saut de difficulté. Donc au début c'est pas forcément le mieux, mais on va dire que assez rapidement dans le jeu c'est pas très équilibré et du coup on peut finir par avancer sans trop de difficulté. Alors ici j'ai accumulé par exemple 14 éléments d'amélioration. Donc on va pouvoir les dépenser, donc au début ça coûte 1, voilà, ce qui fait qu'invoquer ma boule de feu qui tombe ça coûte plus que 27 au lieu de 30. On peut faire en sorte que le rafraîchissement soit plus élevé, on peut faire en sorte que je fasse plus de dégâts, là je faisais 25 par exemple, si là je mets 2 niveaux je fais déjà 38, là je fais quasiment le double maintenant mais ça coûte de plus en plus cher, maintenant ça coûte 4. Et puis je peux améliorer également mon troll ou mon volcan que je viens d'avoir. Donc mon troll le problème c'est qu'il prenait un peu de temps à apparaître, il coûte très cher, donc par exemple je vais dépenser un peu pour baisser, donc au lieu de coûter 400 maintenant il coûte 280. Et puis je peux faire une petite amélioration supplémentaire pour lui, par exemple faire en sorte qu'il se déplace plus vite, disons, de 10%. Du coup, on va pouvoir sélectionner nos niveaux librement. Quand il y a une petite bulle en bas à gauche, c'est-à-dire qu'il y aura un boss à affronter à la fin, on va faire le niveau suivant. On va peut-être même sauter. Allez hop, on saute au 5. On va pas faire dans l'ordre. Comme ça, je vais avoir plein d'améliorations. Et vous allez voir un petit peu le type de bonus qu'on va pouvoir obtenir. Donc là déjà je devrais mieux m'en sortir parce que je fais le double de dégâts avec ma boule de feu et mon golem va coûter beaucoup moins cher à utiliser. Et puis les météores par contre c'était juste un bonus du premier niveau, ce qui fait qu'aujourd'hui je ne les ai plus. Donc là on a une protection, on va essayer de la casser, voilà, on va essayer rapidement également de casser ce qui coûte de la corruption. Et puis maintenant je vais pouvoir tirer dans le tas. J'ai augmenté tout à l'heure un truc qui fait que j'ai plus de probabilité d'avoir ces petits vaisseaux là qui essaie de s'échapper, et quand on les détruit on gagne du mana, et donc le mana ça va être chouette puisque ça va me permettre d'invoquer rapidement mon golem. Je vais essayer de péter ça aussi. Toi aussi tu t'en vas pas, et là hop le golem. Alors en plus un truc qui est cool c'est que le golem il peut passer à travers les boucliers dans un premier temps. Là on va détruire ce qui crée de nouveaux bâtiments pendant que mon golem fait le taf. Alors les véhicules vont revenir à l'infini, hein, quoi qu'il arrive, néanmoins si je les tue forcément ça va beaucoup moins vite s'il n'y en a pas
actuellement que s'il y en a 3 ou 4 qui bossent. Je peux même invoquer un autre golem. Et ce qui va être très chouette, c'est que du coup, bah, je vais pouvoir améliorer beaucoup d'aspects par rapport à ces golems, notamment le cooldown, ce qui fait que je pourrais en avoir plus rapidement. Je peux diminuer, comme on l'a vu, le coût en mana, ce qui fait que je pourrais également avoir plusieurs golems, et puis je vais pouvoir augmenter leur durée de vie, ce qui fait que je pourrais en avoir simultanément qui sont invoqués. Donc ça sera plutôt chouette. Là, on voit que j'ai que 5% de... actuellement de corruption. Hop, ça vous fait tuer. Là, il a fait des tourelles. Ah, mon golem, en mourant, il explose. C'est cool, ça. Ah, et du coup, j'ai pas fait le volcan. Ça coûte combien, le volcan? 475. Ah, mais il faut des miracles. Alors, les miracles, c'est une ressource qu'on gagne en faisant de temps en temps. Malheureusement, là, j'en ai pas. Ah, il y a des bâtiments qui ont été faits, ici. Donc là, les sources sont en train de tomber. Là, il y a quelque chose qui tue mon monstre. Donc là, ils essayent de terminer la tourelle qui fait de la corruption. Sachant que les bâtiments qui sont en cours de construction, on peut les attaquer, mais ça fera quasiment aucun dégât. Ah, voilà, le volcan. Ah oui, ça tire effectivement bien autour. Donc là déjà, on sent que je suis un peu plus mal comparé à tout à l'heure. Bon, je pense que le volcan, c'est pas mal quand on a une grosse zone avec beaucoup de choses et qu'on peut l'invoquer rapidement. Là, c'est pas mon cas. Donc voilà, là déjà, ça va mieux, sachant que j'avais sauté plusieurs niveaux. Et là, j'ai pas passé un seul cran encore une fois, donc j'ai les 4 récompenses. Et donc là, on a un bonus, donc c'est plus des artefacts passifs. Votre régénération de mana est 30% plus élevée, donc ça peut être cool. 50% de chance que Gaïa vous aide à combattre les titans, même dans les régions non critiques. Niveau 10, 20, 30, 40, cette probabilité est réduite. D'accord. Les sorts au pouvoir qui ont une chance d'invoquer les serviteurs ont 15% de chance supplémentaire de le faire. Je vais faire la régénération dans un premier temps, ce sera plus intéressant. Et puis on va récupérer encore des ressources. Alors le mana de base, c'est bien parce que plus on a de mana, plus on a de régénération, parce que c'est une régénération au pourcentage, donc plus le mana max est haut, plus c'est intéressant. Et ici, on me propose de faire gagner des niveaux simplement aux améliorations de mes sorts directement. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais déjà mis le volcan au niveau 2 des miracles, donc là, automatiquement, ça me le ferait passer niveau 3 sans dépasser de cristaux, dépenser de cristaux. Là, on peut faire augmenter encore le niveau du mana pour que ça coûte encore moins. Et là, on peut faire en sorte que le volcan soit un peu plus long. Je vais faire le mana pour le golem parce que c'est assez intéressant. Et puis je vais prendre les cristaux pour l'instant. Et encore des cristaux. Donc là j'en gagne pas mal pour l'instant. J'en gagne surtout beaucoup parce que j'ai réussi à sauter plusieurs niveaux. Donc j'ai les récompenses des niveaux que j'ai sautés au passage. Ce qui fait que concrètement on n'a pas beaucoup d'intérêt à faire les niveaux un par un si on se sent assez fort. Et là j'ai gagné de l'essence de vie. Alors si on peut améliorer nos magies, on peut également améliorer Gaïa. Hop, ici. On a soit notre magie à nous, soit Gaïa. Et Gaïa bah, a également des sorts. Au début, elle en a que 2, basiques. Mais ce sont des sorts en fait, qui restent améliorés d'une partie à l'autre, contrairement à nos magies. Et donc, bah, ça peut être intéressant d'essayer de bien la booster pour qu'elle nous aide autant que possible. Sachant qu'on va pouvoir également à elle lui rajouter des nouveaux pouvoirs. Mais simplement, il bah, faudra les retrouver pour, une fois qu'on les a sélectionnés, ils auront le niveau qu'ils avaient la dernière fois qu'on les a utilisés. Mais simplement, on les a pas de base. Donc par exemple, ici, elle me crée des araignées toutes les 30 secondes. Et donc là, je peux lui mettre des niveaux pour que ce soit plus rapide. Donc, voilà, par exemple, maintenant, ce sera toutes les 20 secondes. Menace corrosive, la durée de vie des unités, parce que sinon, elle reste un temps qui est limité. Augmenter la puissance... Chance que les araignées vous rejoignent, si elles sont 100%, plus d'une araignée peut vous rejoindre à la fois. Voilà, voilà. En plus, on va faire les araignées deux par deux. Donc là, ça va bien m'aider à avoir des petites armées, et puis on va encore augmenter les dégâts, peut-être. J'ai pas mal de choses économisées. Allez, du coup, on va sauter au niveau 10. Ah, j'ai encore des petites améliorations, là, on va le faire pour mon golem, parce que j'aime bien le golem. Donc là, je suis niveau max pour le mana, pour le coup en miracle, je suis au niveau max... Temps nécessaire pour recharger le sort, on va laisser peut-être comme ça. On va faire en sorte qu'il survive plus longtemps si je peux. Donc ça coûte de plus en plus cher. À l'expiration ou à la mort du sort inflige. Ah oui, c'est ça, pour ça qu'il explosait en mourant.
Et puis on va augmenter les dégâts tant qu'à faire. Voilà, là ils devraient être un peu plus sympas les golems. Et on va faire directement le niveau 10. Et puis après on sautera sur ma partie qui est un petit peu plus avancée pour faire deux niveaux qui vous montreront un peu la quantité d'ennemis qu'on pourra avoir. Parce qu'actuellement on n'a toujours qu'une petite base qui éventuellement a quelques boucliers, mais il n'y a pas beaucoup plus. Mais plus tard il y aura beaucoup plus d'ennemis, il y aura beaucoup plus de bâtiments. Et globalement de choses intéressantes à faire. Alors là on a un bâtiment qui va nous empêcher de faire de la magie. Donc il faut le détruire avec des unités qui vont dessus. Malheureusement pour l'instant je peux pas en avoir directement. Il faut que je fasse d'abord mon golem. Donc je vais casser un peu ce que je dois. Surtout le problème du golem c'est que j'ai besoin de miracles pour pouvoir l'avoir. Et pour l'instant des miracles j'en ai pas. Donc ça c'est un bâtiment qui est en cours de création. C'est dur à casser. Tous les bâtiments quasiment font la même chose, sont des sortes de maisons. S'il y a trois skins différents, c'est le truc gris, le truc jaune ici, ou alors l'espèce de tube. Hop, on va faire le volcan ici pour que ça casse un petit peu. Moi je vais finir de taper en haut. Alors là on sent que mon sort principal n'est pas encore tout à fait assez fort. Ce serait bien que je... Ah ouais, je vais faire un golem qui va m'aider. Ce serait bien que je l'améliore un petit peu. Je me suis concentré sur le golem. Alors évidemment le sort de base il est important parce que pendant les premières parties des niveaux on est un peu bloqué avec la quantité de mana qu'on a. Alors là c'est pas le cas, le problème c'est que les éléments que j'ai besoin d'avoir des miracles. Et les miracles là ils sont en train de se recharger en bas. Là je vais en avoir un normalement, voilà. Donc je vais refaire un ici. Un golem qui normalement j'espère va aller me péter la... Voilà il se concentre dessus peut-être. Ah, malheureusement il se fait tirer dessus. Aïe dommage. Donc là ça passe un peu moins bien malheureusement. Il faudrait peut-être que... Je détruise les unités qui doivent bloquer les unités ennemies. Enfin mes serpents je veux dire. Qui sont des araignées par ailleurs. Là ça se passe pas hyper bien. Là je détruise aussi là les tourelles qui me cassent mon... Ouais en fait là mon build il est pas terrible parce que j'ai besoin de miracles pour invoquer et faire mes magies. Et du coup je suis un peu coincé par rapport à ça parce que techniquement je devrais pouvoir le faire sans trop de difficultés. Pour lancer mes super magies. Voilà, ça serait bien qu'il s'occupe de ça vite, avant de mourir. Ah mais il y a un autre truc qui lui tire. Ah c'est bon, ça a été désactivé. C'est bon. Il faut que je détruise aussi les trucs qui créent des unités vite. Et également les trucs qui me pompent la corruption. Donc là c'est dur de prendre le dessus complet. Et de temps en temps on peut invoquer des esprits qui passent par là. Malheureusement il faut leur donner des éléments. Et là j'ai ni l'un ni l'autre. Ça m'aurait bien aidé. Mais il y a des magies qui sont vraiment très variées. On a les tornades quand on les crée qui se déplacent un petit peu autour de l'endroit où on les a créées. On peut en créer plusieurs simultanément. On a un gros rocher également qui peut rouler en fait dans une direction. Ça permet par exemple de traverser la zone anti-magie. Ah voilà, là on a un peu mes unités qui arrivent pour m'aider. Là il y a un dernier boost ennemi parce qu'on a traversé la fin de la source en haut, le dernier cran. Ouais, mais là j'ai pas pris un bon build hein. Globalement pour l'instant c'est pas terrible. Je suis trop dépendant des miracles. On le verra tout à l'heure mais j'ai dans l'autre partie j'ai un crabe donc que je peux invoquer qui lui ne me coûte pas de. Ne me coûte pas de miracles. Donc les miracles c'est évidemment fait pour être un petit peu
limitant sur les unités qui sont très puissantes. Voilà, là, ils ont plus de ressources. Donc ça explose tout. Et là, c'était une zone avec un ennemi, avec un boss. Donc on va créer notre golem. Comme on est au niveau 10, je crois, on a le droit à une aide de Gaïa qui nous envoie une unité pour nous aider. Ça, je sais pas ce que c'est à chaque fois. Dans le doute, je le détruis. Voilà. Bon, là, j'ai galéré. Hein. Avoir les trucs anti-magie rapidement dans le jeu, c'est un peu compliqué si on n'a rien pour le contrer. Donc là, on me propose non pas d'avoir des niveaux, comme tout à l'heure, de gagner des niveaux d'avance sur mes, que je dépense normalement avec des cristaux sur mes différents sorts. On me propose des nouvelles pistes d'amélioration, en fait, pour mes différents sorts. Donc par exemple, conjurer la magie, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ça permet potentiellement de dupliquer ce que ça fait. C'est-à-dire que pour la boule de feu, quand je vais cliquer, j'aurai 10% de chance d'avoir une deuxième boule de feu qui tombe autour. Et évidemment, je vais pouvoir beaucoup l'améliorer, et au bout d'un moment, c'est ce qui va faire que quand je cliquerai, je pourrai avoir 3, 4, 5 boules de feu simultanément qui vont tomber un petit peu autour de là où j'ai cliqué, et donc faire de bons dégâts en plusieurs zones, ce qui non seulement va pouvoir toucher plus largement, et puis surtout va multiplier la quantité de dégâts que je vais faire. Et là, pour le golem, on a la même logique. Alors, on va pas forcément avoir tout de suite un deuxième golem, mais on va avoir des petites unités avec le golem qui vont arriver, qui vont pouvoir faire potentiellement assez mal, et au bout d'un moment, quand j'aurai beaucoup augmenté, conjuré la magie, dans le cas de l'invocation du golem, je pourrais même avoir un deuxième golem quand j'en invoque un seul. Donc ça peut être vraiment très très cool. Donc pour l'instant, moi je vais juste rester sur mon arme de base, peut-être qui serait plus sympa à augmenter, et je vais continuer à augmenter un petit peu ça avec mes éclats de puissance, et ma priorité serait également de diminuer, si je le peux, le coup au miracle. Commencer chaque partie avec un miracle supplémentaire, donc ça c'est très bien, justement, régénération de mana encore plus élevée, ou alors votre régénération de mana est 20% plus élevée, votre régénération de mana à partir de cristaux est 20% plus élevée. On va faire la méditation pour avoir du mana, des miracles dès le début de la partie. Et là j'ai plein d'éclats, et j'ai des essences pour améliorer Gaïa. Et j'ai même le droit à un deuxième, alors ça c'est une amélioration de Gaïa, un nouveau pouvoir. Donc il y a le hurlement du loup qui renforce les troupes qu'on crée quand on a moins de 80% de mana en stock. La nature viendra en aide plus souvent et avec plus de force. Ou alors, Gaïa fera pousser des herbes curatives puissantes, vous bénissant périodiquement. D'accord. Moi je vais faire l'hurlement du loup pour avoir des unités plus puissantes tant que j'ai pas mon mana à fond. Et normalement, donc, le pouvoir hurlement du loup, je l'avais sur une autre partie. Et donc, normalement, il devrait déjà être pas mal boosté sur certains trucs. Voilà. 4 sur 15, 2 sur 15, 5 sur 15, sur 11. Parce que ça, je l'avais déjà utilisé dans une autre partie. Donc ça, c'est tous les pouvoirs de Gaïa restent d'une partie à l'autre. Et j'ai un doute pour les pouvoirs de base également. C'est-à-dire que là, est-ce que si je refais une partie, par exemple, avec un autre dieu que j'ai déjà fait, je vais déjà avoir les pouvoirs. Ça m'étonnerait, parce que ça simplifierait vraiment beaucoup trop. Mais typiquement, alors les miracles, là le troll, je suis obligé d'avoir au moins un miracle. Là, je peux faire en sorte que le volcan, ce soit aucun miracle. Donc je peux, dès que j'ai les 500 de mana, je pourrais. Donc là, je pourrais améliorer un peu le fait de diminuer le coût du volcan. Ça coûtera que 300. Et là, je peux améliorer, par exemple, la probabilité de faire plusieurs boules de feu. Et donc maintenant, j'ai 27% de chance de pouvoir faire des boules de feu autour de moi supplémentaires. Et 35%, c'est ce que ça m'offre d'avoir un niveau supplémentaire. Ce qui, entre parenthèses, c'est toujours le niveau d'après, ce que ça va changer, si ça change. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que nous propose le gameplay de base. Alors comme vous avez vu, c'est un peu lent, là j'ai sauté pas mal de niveaux en quelques fois. Mais il y a moyen quand même de se renforcer, et puis surtout, faut bien choisir les builds. Actuellement, le plus gênant, c'est vraiment ces éléments qui nous empêchent de créer de la magie. Parce que il faut avoir des troupes au sol, ou faut avoir des éléments comme le rocher qu'on lance au sol, qui puisse traverser la zone de non-magie, parce que ça nous empêche de lancer une magie, mais ce qui a été créé par magie peut traverser la zone anti-magie. Donc ça nous permet un peu de simplifier. Donc ce que je vous propose, c'est simplement qu'on saute, en fait, quand on termine les 35 niveaux de base, la campagne de base, on peut continuer jusqu'au niveau 99, 95, 99, je sais plus exactement. Et donc on peut en fait faire une sorte de partie un peu, alors pas infinie, parce qu'il y a une fin, mais aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et c'est assez intéressant parce que du coup on voit que les villes augmentent beaucoup et puis ça vous permettra de voir un autre ensemble de sorts. Du coup, petite transition.
Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le domaine du vide. Donc on va continuer ma partie qui est la plus avancée actuellement avec le build du dieu de la pierre, ou de la terre plutôt. Donc on peut voir que je suis quasiment à la fin et que j'ai pas mal boosté les sorts que j'ai pour le moment, qui sont quasiment à fond pour ceux que je peux. Donc j'ai pas mal de petites choses, il y a l'épi de roche qui est l'attaque de base qui va faire sortir des pics du sol, il y a un tremblement de terre qui a une zone de dégâts, on a la fosse au serpent qui est mon truc le plus fort qui crée en permanence des spawners d'ennemis, enfin des spawners de serpents alliés du coup, qui vont détruire les ennemis, que de la terre je m'en sers quasiment pas, et on a le crabe qui me permet de créer où je veux des unités, en plus ça a été boosté, ce qui fait que ça crée des petits serpents en plus avec lui, donc je vais pouvoir affronter les éléments qui m'empêchent normalement de faire de la magie. Tout simplement en créant à côté un crabe qui va aller détruire les éléments qui m'empêchent d'attaquer, qui est l'élément jaune en bas à droite, qui m'empêche de cliquer pour détruire une zone, ce qui est un petit peu gênant on va dire en général, puisque bah, forcément ça nous ralentit pas mal. Alors, je vais mettre pause d'emblée juste pour montrer un petit peu à quoi ressemble la carte. Là on peut voir déjà qu'il y a beaucoup plus d'ennemis de base qui sont présents. Alors la carte n'est pas très grande encore ici. Il y a grosso modo 2, 4, 5 villes. Là on a le truc jaune qui m'empêche ici d'agir. Et puis là a priori on a simplement des boucliers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer assez rapidement mon crabe juste à côté. Avec quelques serpents, même deux crabes. Parce que j'ai encore amélioré pour que ça me fasse plusieurs trucs. Et là voilà, ça va attaquer. Et donc là j'ai cassé l'élément qui permet d'empêcher la magie, et donc quand je clique ça fait sortir des pics de pierre du sol, et en plus j'ai une amélioration attachée qui fait que globalement il y a plusieurs pics qui vont sortir et qui vont faire des dégâts critiques assez régulièrement. Actuellement j'ai une probabilité de faire des critiques qui est je crois de 30%, sachant que les critiques font quasiment pas loin de 150% de dégâts en plus, je crois, ou c'est 150 par rapport à la valeur de base. Donc pour l'instant, ce que je vais faire, c'est prioritairement essayer de détruire... Ah, je peux pas faire de magie ici, pourquoi? Ah si, c'est bon. Ah mais il y a ça, j'avais pas vu, c'est ça, à cause de ça. Ouais, voilà. Donc là, j'ai créé au milieu les crabes qui vont pouvoir un peu attaquer. Voilà, ils ont pété les trucs. Moi, je vais pouvoir les aider. Là, il y a des ennemis qui s'enfuient, donc je peux les tuer si je veux un peu plus de mana. Ici j'ai un cristal qui crée également, alors faut que je protège ici, j'ai un cristal qui crée potentiellement des golems également, là il va falloir que je pète ici, et là il va falloir que je nettoie vite, la corruption monte, elle est à 10%, mais en fait dans ce build ce qui est très puissant c'est que j'ai également, dès que je fais un critique, comme j'ai dit j'ai un critique qui est très élevé en probabilité, oula une nouvelle chose, on va recréer ici des crabes. Ah, ça y est. Alors, il s'arrête de temps en temps, hein, quand même, le truc qui m'empêche d'agir. Mais il s'arrête pendant 5 secondes, une fois, toutes les 20 ou 30 secondes. Donc, évidemment, à ce moment-là, il faut vraiment en profiter pour tout détruire. Mais oui, comme je le disais, j'ai en fait un truc lié à mon critique qui fait que dès que je fais un critique, je diminue un tout petit peu la corruption, sachant que le critique est calculé sur chaque attaque que je fais. Quand je fais une attaque, j'ai plusieurs pics qui sortent du sol, donc pour chacun d'entre eux, ça calcule le critique. Potentiellement. Et donc bah forcément ça m'augmente beaucoup la probabilité de diminuer le. Alors on peut voir qu'il y a pas mal d'unités. Hop. Il y a pas mal de probabilité de réussir à faire du critique. Donc je vais essayer de détruire un petit peu les véhicules ici. Là on va péter ça. Là on a le bouclier. Là il y aurait encore des unités à faire. Là, il y a des canons qui ont été créés. Alors, je vais mettre du tremblement de terre en haut à droite. J'ai détruit la source des ennemis. Et là, j'ai réduit intégralement les ressources. Et du coup, maintenant, on a le boss. Et on a même plusieurs boss hein, qui augmentent au fil de la partie. Corruption is critical. Ah mais j'avais pas vu, j'avais pas activé automatiquement. En fait, comme je disais, les serpents, ils sont créés automatiquement. Les serpents qui sont là. J'ai un spawner, mais en fait, il faut activer la création automatique parce qu'on peut les faire manuellement. C'est-à-dire que dès qu'il y a la possibilité, on clique dessus et automatiquement, ça les place.
mais là j'avais oublié de le faire un clic droit dessus, ce qui fait que c'est moi qui manuellement devais les placer à chaque fois, alors qu'on pouvait automatiser ça, et là on aurait pu voir des hordes de serpents théoriquement arriver et tenter de tout détruire. Donc là ça a été un peu plus dur, c'est justement parce que j'ai pas eu mes serpents qui sont venus m'aider, qui normalement me permettent beaucoup plus facilement de m'en sortir. Là je vais augmenter mes chances de critique à 41%. Et là je vais avoir une deuxième récompense. Augmenter les dégâts, augmenter le prix, enfin diminuer le prix ou avoir des éclats. Alors, je vais prendre les éclats parce qu'actuellement j'ai pas mal de mana que je récupère déjà automatiquement. Prendre l'essence de la vie. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au niveau 95, qui je crois est le dernier, ou alors c'est 99, même 96, donc ça ira jusqu'à 99. Juste pour l'exemple, alors j'ai pas dépensé mes points, mais c'est pas grave. Je ne pense pas que ça fera une différence majeure. Mais voilà, quand il y a beaucoup plus d'unités, forcément, c'est là que ça devient intéressant. Le problème, c'est que le jeu, actuellement, met un petit peu de temps à démarrer. C'est-à-dire que les premiers niveaux, c'est vraiment très lent et c'est vraiment du clic-clic-clic. On n'est pas sur du idle game, on est vraiment sur une sorte de clicker qui est moyennement intéressant, on va dire, dans un premier temps. Les builds sont sympas qu'on peut faire, les dieux sont pas tous aussi puissants. Puis surtout, on va dire que les différents... de magie qu'on va avoir vont pas avoir le même impact sur la partie, et il faut faire quelques essais parce qu'évidemment notamment si on fait pas de build qui est lié à la vocation d'unité notamment, ça va complexifier un petit peu le fait de détruire les anti-magies par exemple, qui nous empêchent nous d'agir. Donc si on a aucun sort et qu'on invoque pas d'unité, on peut pas en fait détruire tout simplement les anti-sorts, donc ça peut être un petit peu problématique. Donc là, je vais continuer à casser tout ça. Là, actuellement, on voit que c'est automatiquement utilisé. En plus, j'ai un truc, une amélioration pour ce sort-là qui fait que j'ai 70% de chance que le temps d'invocation soit diminué à chaque fois. Alors, les serpents, ils viennent de là. Voilà, c'est ça. C'est ces éléments-là qui sont en fait des grottes à serpents. Et à chaque fois, ils en créent. Et donc, à chaque fois, j'ai une amélioration qui fait qu'à chaque fois, il y a 70% de chance, dès que j'ai créé un serpent, qu'il y en ait un autre qui soit créé dans les 3 secondes, alors que normalement c'est 10 à 15 secondes je crois à l'invocation. Donc j'accumule du serpent très très vite, ce qui forcément me facilite énormément les choses. Là on peut voir que comparé à tout à l'heure, je suis à 6% de... à seulement 6% de corruption. Donc là il y a des portails qui apparaissent qui vont essayer de faire apparaître des ennemis également. Donc ils sont assez faciles à détruire, surtout quand on a les critiques qui me font 500 dégâts. Les bâtiments pas construits qui sont toujours difficiles à détruire. Alors on voit les serpents, il y en a partout. Donc là, la source en haut, ça diminue. D'autant que quand il n'y a aucun bâtiment ennemi qui est fini de construire, il a des malus de quantité de ressources qui sont assez immenses. Donc là, ça va diminuer vraiment très 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 vite. On voit, il a plus que 104, 96, 88. Voilà. Et là, j'ai réussi, il n'y avait pas d'ennemis. Et donc là, on a un peu plus de choses à faire. Donc voilà, ça, c'est un petit peu la direction vers laquelle le jeu peut aller. Dès qu'on a suffisamment avancé, dès qu'on a suffisamment renforcé nos différentes magies qui vont pouvoir faire pas mal de dégâts progressivement. Donc il y a des bulles qui sont plus viables que d'autres sur le temps, sachant que ce mode a priori a 99 niveaux. Donc la campagne, elle se termine autour du niveau 35 je crois, et ici forcément là j'ai sauté beaucoup de niveaux, donc j'ai 23 d'un coup, donc forcément le jeu a un petit peu de durée de vie après les 35 niveaux, mais c'est pas forcément beaucoup plus dur parce qu'au bout d'un moment, ouais, c'est ça se finit à 99. Donc voilà, c'est ce que nous propose ce Gods Against Machines. Donc c'est un jeu qui est très imparfait, mais je trouve le concept vraiment super original. Il y a beaucoup de choses encore à faire pour améliorer le jeu en termes de difficulté, notamment d'équilibrage. Le jeu, je trouve, a un peu le cul entre deux chaises, où il essaye d'un côté de nous faire faire des bulles qui vont être intéressants, comme dans un ROG classique, et en même temps qui essaye d'avoir juste le plaisir de la destruction pure et simple. Mais du coup, je pense que le jeu aurait dû peut-être se concentrer un peu plus sur l'un ou un peu plus sur l'autre, tout en trouvant des moyens quand même un petit peu de nous opposer de la résistance, parce qu'actuellement c'est quand même excessivement facile à partir du moment où on commence à pouvoir un petit peu améliorer nos sorts. Donc le jeu est pas forcément ultra fun,
Mais je trouve qu'il est très distrayant, et puis vraiment, encore une fois, moi, cette idée d'incarner un petit peu l'environnement dans cette sorte de God Game RTS inversé, je trouve ça vraiment très très original. Donc j'espère que les développeurs vont parvenir à trouver une formule un peu à affiner, soit avec cette version du jeu, soit dans une nouvelle version. Et également bah, qu'il y aura peut-être un petit peu plus de variété, parce qu'actuellement il n'y a pas différentes factions d'ennemis ou de boss. Il n'y a pas différentes catégories de boss, donc c'est un peu dommage, on va dire, c'est un peu chiche. Mais il y a quand même la possibilité d'essayer de finir avec les quatre personnages. Puis il y a des achievements Steam qui sont sympas, genre essayer de terminer la campagne avec pas trop de pourcentage de corruption de la planète. Là, on peut voir, c'est bloqué en fait sur quand j'ai terminé la campagne et j'étais à 15% seulement, sachant que visiblement l'achievement, pas le plus difficile, mais on va dire qu'il y a un achievement pour finir en dessous de 90, en dessous de 70, je crois, et en dessous de 50. Donc a priori, c'est qu'ils estiment que 50, c'est déjà dur. Et bon, j'ai fait 15%, donc c'est que soit je joue extrêmement bien, ce qui n'est pas forcément le cas, mais c'est que le jeu a vraiment des petits problèmes d'équilibrage. Donc voilà, je souhaite le meilleur aux développeurs, parce que vraiment, le concept m'a beaucoup plu, et je voulais vous en parler justement, parce que souvent on dit, oui, mais bon, les jeux indés, à force, par an, on a un jeu indé qui sort, qui est à peu près original, parce que maintenant tout le monde copie tout le monde. Mais voilà, ce genre de jeu, de temps en temps, il n'y en a pas forcément beaucoup, il faut réussir un peu à lire entre les lignes de ce que ça peut proposer. Il y a encore des choses qui peuvent naître, et il peut y avoir encore potentiellement des sortes de sous-genres à des jeux exactement comme Zerbillion, ce que j'abordais en intro, qui a un petit peu twisté l'aspect RTS asymétrique en nous proposant un combat contre l'environnement au lieu d'avoir un combat contre quelqu'un qui était justement également une troupe ennemie qui joue exactement de la même façon que nous. Donc voilà, ce Gods Against Machine, il coûte autour de 9€, en général c'est plus 9,75€, mais actuellement il y a encore la réduction de lancement qui le met à 9€. Et si jamais, bah, je vous conseille d'essayer, vous avez la démo, si vous voulez juste voir un petit peu sans forcément aller très très loin dans ce que propose le jeu, mais avoir un premier aperçu. Et donc, bah, même si le jeu n'est pas extraordinaire, je trouve qu'il a quand même un petit intérêt, et qu'on a un petit goût de reviens-y quand même pour un peu tout péter, puis essayer un peu les différents sorts qui sont disponibles, sachant qu'évidemment le jeu ne pourra que s'améliorer avec le temps. En tout cas, les développeurs sont assez investis pour l'avoir parlé. Voilà pour ma présentation de Gods Against Machines, j'espère que ça vous aura intrigué et plu, je vous fais papouille, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.